Jean chapitre 3, verset 3. Dans lequel le Seigneur Jésus lui demande de naître d'en haut. Donc on va prendre le verset 1 jusqu'à 12. On va reprendre la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il être quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ne t'étonne pas de ce que je te dis. Il faut que le métier d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il peut être répondu et lui dit: comment peuvent se faire ces choses? Jésus répondit et lui dit: tu es docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons dit, et que nous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne les croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Amen. Amen. La naissance d'en haut. Et la parole nous dit qu'il faut être né d'eau et d'esprit. Amen. Mais ce que la parole veut nous faire comprendre ici, un docteur Nicodème, pour dire que c'est vraiment quelqu'un qui a la connaissance. Mais les choses, les œuvres de Dieu, pour le comprendre, il faut avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, pour comprendre les œuvres du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu. Et là, la parole qui dit qu'il faut être né d'eau et d'esprit, cette eau-là, quand nous lisons la Bible, on croit que c'est ce baptême d'eau. Mais en réalité, il s'agit là de la parole. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui fortifie, qui nous fait avancer. Et ce royaume des cieux né d'en haut, pour y rentrer, il faut être né de cette parole-là. Et cette parole, comme Josué aussi le dit dans 1:8, il ne faut pas qu'on s'éloigne de ça, de la Bible. Il faut méditer jour et nuit, sans cesse. Parce qu'en méditant la parole, le Seigneur, par son Esprit Saint, nous guide, nous aide à comprendre les choses de Dieu. Quand le Seigneur Yeshua parlait à Nicodème, il ne comprenait rien. Pourtant, il avait la connaissance. C'est pour dire que lui, il était terrestre. S'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela qu'il demandait à Yeshua, mais il faudrait que je rentre dans le ventre de ma mère pour être né de nouveau. Né d'en haut. Nous qui avons reçu le Seigneur, tous ici, et ceux qui ne l'ont pas reçu,
le Seigneur fera grâce. Ceux nés d'en haut, nous sommes des enfants qui sont du ciel, issus de cette lumière qui surpasse l'éclat du soleil. Et pour y arriver, c'est de méditer la parole. Sans la parole, nous ne pouvons pas avancer. Dans Jean 1 aussi, il est dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Donc, cette parole, il ne faudrait pas qu'on s'éloigne. C'est cette parole qui nous aide à rentrer dans ce royaume. C'est cette parole qui nous aide à avancer. Si le Seigneur ne t'aide pas, si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas dans cette marche, on croit qu'être né d'eau, c'est ce baptême d'eau-là. Mais en réalité, c'est la parole. Cette parole qui nous fait avancer. Et quand tu aimes la parole, tu dois te soumettre. Tu dois diminuer pour que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place. Tu dois fuir le raisonnement, le doute et le raisonnement, pour que le Seigneur puisse opérer tout ce qui te fait comprendre par la parole, par le Saint-Esprit. Il faut sonder ce que le Seigneur te dit. Est-ce que ce que le Saint-Esprit te dit, est-ce que sa référence avec la Bible? Si sa référence avec la Bible, tu prends. Si ça n'a pas référence, tu mets de côté. C'est important d'être né d'en haut. Et si nous n'avons pas une intimité avec le Seigneur, nous ne pouvons pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'il veut pour toi, pour moi, pour ma sœur. On ne peut pas sonder. Et cette parole, c'est vraiment un manuel qui nous aide à avancer. Le Seigneur dit, mais si tu n'as pas le discernement du Saint-Esprit, au moins elle a le discernement de la parole. L'un ou l'autre. À force de lire la Bible, le Saint-Esprit va te dire que mon frère, ma soeur, là où tu es, ce n'est pas bon. Il faut écouter. Même si ça va à l'encontre des hommes, je préfère écouter Dieu qu'écouter des frères et sœurs. Quand on écoute Dieu, il est fidèle et il ne peut pas nous laisser tomber. Il nous prend avec nos imperfections et il nous transforme. Avec Yeshua, tu es obligé d'être transformé. Je ne connais aucun enfant de Dieu qui a reçu Yeshua et qui est resté dans son état. Si tu es menteur, il te change, tu ne mentiras plus. Si tu voles, tu ne voleras plus. Si tu ne respectes pas tes parents, tu vas commencer à respecter les parents. Parce que la parole te nettoie. La parole te donne une autre éducation, t'aide à avancer, mais dans le bon chemin. Car il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer la parole. Et c'est cette parole qui fait tout. Soumettons-nous à la parole, mais humilions-nous et aimons nos frères comme lui-même nous l'a conseillé. Et nous le demandons de nous aimer les uns les autres. Au même moment que je veille sur toi, toi aussi tu dois veiller sur moi. C'est ça, les enfants de Dieu. Si je m'égare dans quelque chose, viens me voir et dis, frère, mais dès que tu m'appelles et tu me dis, qu'est-ce qui est écrit ici, que je lis ce que tu me dis, je dois baisser la garde. Je dois me conformer à ce que tu me dis, appuyer de la parole. Les enfants de Dieu, quand on les reprend, tu ne dois pas te justifier. Tu ne dois pas dire oui, mais non. Tu te tais, tu dis amen. Et le Seigneur va, au fur et à mesure, te faire avancer dans son œuvre. Parce que cette œuvre,
il a dit que tout est accompli. On rentre dans la grâce. Au même moment qu'il avait mis le jardin, qu'il avait préparé le jardin pour Adam, là, au même moment, il nous a donné Yeshua, qui est le jardin, et on vit dans ce jardin. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Donc il est en permanence, tout le temps, avec nous. Tous ici, nous l'avons tous entendu. Pourquoi? Parce que quand on reçoit le Seigneur dans son cœur, il dit que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je rentrerai et je souperai avec toi et je ferai de ma demeure ta demeure. Donc, autant que nous sommes ici, nous l'avons entendu. Sinon, nous n'ouvrirons pas cette porte. Laissons le Seigneur travailler notre cœur. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. Mais laissons-le faire. Parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. C'est difficile. Oui, la marche n'est pas facile. Si quelqu'un te dit c'est facile, il faut qu'il revoie sa copie. La marche n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Et ce prix, c'est l'entrée à la maison. Et pour entrer à la maison, c'est par les tribulations, par les difficultés. Pas parce qu'on est maso, non, mais parce que l'état dans lequel tu es, pour arriver à la perfection comme Yeshua, il est obligé de te dire, ma fille, mon fils, ce n'est pas bien là où tu es, fais ça, et tu dois écouter. Lui-même, par sa vie terrestre, il est soumis, il a été obéissant, il a écouté. Et pourquoi nous aujourd'hui, on doit se frotter? Non, on ne doit pas faire affront, on ne doit pas tenir tête, mais que dit la parole? Si la parole te dit qu'il faut baisser la garde, il faut le faire. La parole, c'est une grâce aujourd'hui d'avoir cette parole et de la méditer. Nos pères n'ont pas eu ça. C'était le rouleau. Et pour déployer ce rouleau, il faut te sanctifier. Tout le monde n'avait pas accès à ce rouleau. Aujourd'hui, nous vivons dans cette grâce, mais il y a un prix pour ne pas perdre cette grâce. Si le Seigneur t'appelle, ce n'est pas pour continuer dans le péché. Il veut te sortir de là. Et par sa main puissante, il t'arrache automatiquement de là où tu es. Pour te dire qu'il a reçu le seul nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le seul nom. Et personne d'autre n'a reçu ce nom-là. Donc nous devons, mes bien-aimés, moi le premier, nous soumettre à la parole. Lâcher prise. Parce qu'on n'a pas l'habitude de lâcher prise. Quand tu ne sais pas nager, qu'on te jette dans l'eau, tu cherches à avoir pied. Si tu n'as pas pied, tu paniques. Mais le Seigneur aime ça. Quand tu n'as pas pied. Parce que c'est lui qui te guide. Celui qui agit sur les éléments de la nature, c'est lui. Tout lui est soumis. Au ciel, sur la terre. Et sous la terre, le monde spirituel lui est soumis. Tout ce qui est que nos yeux ne voient pas est soumis à Yeshua. Écoutons-le. Marchons dans cette grâce-là. Quel que soit ce que nous endurons, prenons le temps de lire la parole. Parce que la fatigue fuit devant la parole. Ne dis pas que je suis fatigué, non. Et vous allez voir que quand vous allez commencer à, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à lire la parole, quand tu vas lire, le sommeil va te guetter. Il faut faire violence. Même nous qui commençons aussi, des moments, il y a des moments où on dit, Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, merci pour la journée. Quand tu commences à bailler, merci pour cette journée et tu t'endors.
C'est pas ça. Il faut vraiment se vouloir, se faire vraiment violence pour garder la parole. J'avais ça à cœur ce matin et je voulais vous partager ça. Que attachons-nous au seul à Yeshua. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous ce matin. Amen. Je voulais compléter ce que tu disais par la première épître de Pierre, dans verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et si on complète ce verset par Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Amen. Amen. Donc aussi, nous avons chanté un chant tout à l'heure. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, adorant Jésus. Et quand nous lisons le livre de Luc, l'évangile de Luc 11, en priant, Jésus nous a appris qui adorer. Ça sera suite à une demande. Hein. C'est un des disciples qui avait l'habitude de voir Jésus prier. Il va le faire sa demande. Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et Jésus va le dire, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc on adore Dieu en fait. Quoi. Hein, le Seigneur voulait tout simplement d'adorer Dieu. Et nous voyons l'évangile de Jean. Il y a deux Jean dans la Bible, il y a Jean l'apôtre et Jean le baptiseur. Donc c'était le cousin de Jésus, il avait 6 mois. Il était son ami de 6 mois. Et donc il a été ravi en esprit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 19, verset 9 à 10. Et donc il va voir les noces de l'agneau. Donc il va voir le mariage dans le ciel de Jésus avec son église. Il sera tellement émerveillé qu'il va se prosterner devant l'ange qui lui montre ces choses. Et l'ange lui dira, garde-toi de le faire car je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, adore Dieu. Donc c'est un ordre. Et pourtant, Jean, quelques années plus tôt, il était avec le Seigneur. Il avait suivi l'enseignement. Jésus lui avait dit, adore le Seigneur. Donc à un moment donné, il a été sublimé. Parce qu'il voyait et il a voulu se prosterner. Et pourquoi c'est comme ça? Combien aujourd'hui les messagers sont adorés? Il y a des gens qui adorent les hommes, qui adorent les anges. Et pourtant les anges, d'après Hébreux 1, verset 14, ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Ça dit, c'est des enfants de Dieu. Dieu délègue les anges pour protéger les enfants de Dieu. Dieu délègue les anges soit pour nous envoyer des messages. Le Père dans notre vision va te communiquer quelque chose. Gabriel l'a fait quand il est allé visiter Marie. Donc ça continue à se faire aujourd'hui. On n'adore pas les hommes, on n'adore pas les anges. Vraiment, on adore le Seigneur. Et l'adoration, c'est plus que des mots. Hein. C'est plus que des mots, c'est plus que jouer des instruments. Et c'est une vie d'obéissance. C'est rentrer non seulement dans l'obéissance. Et l'Esprit de Dieu étant un esprit chantant, l'Esprit va inspirer le chant. Alléluia. L'Esprit va nous inspirer dans le chant, dans ce que nous sommes appelés tout simplement à faire pour le Seigneur. Et ça demande quoi? Ça passe par la nouvelle naissance. Ça rejoint la nouvelle naissance, la véritable adoration. C'est le désir de Dieu. Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Jésus dira, l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ça veut dire, quand il parle de véritable, ça veut dire qu'il y a des faux. Hein? Adorons le Père en esprit en vérité, car le Père est esprit, donc Dieu on ne peut pas le représenter. Hein? Il est esprit et ce qu'il recherche, ce sont des hommes et des femmes qui l'adorent, qui n'adorent pas le Saint-Esprit en vérité. Et pour recevoir l'Esprit, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Il faut naître d'en haut. Alléluia. Et quand nous naissons d'en haut, nous recevons la sémence de Dieu en nous. Nous sommes régénérés, nous sommes restaurés. Dieu nous donne sa sémence. Alléluia. Il nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et personne ne peut corrompre le Saint-Esprit. Personne ne peut modifier. Parce qu'on peut, même si on n'a pas la connaissance des choses de Dieu, on peut nous enseigner les Écritures. Et les gens peuvent essayer de manipuler les. Que ces gens-là sont en train de nous tromper, ils sont en train de nous mentir.
Nous avons l'habitude d'aller dans les missions où même les mamies, ils disent Amen et pourtant ils ne comprennent pas le français. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu en eux qui les atteste que ce qui est en train d'être prêché, c'est la vérité. Alléluia. Donc, et c'est ça, nous avons besoin, c'est l'Esprit de Dieu qui nous garde. Même si on n'a pas la connaissance des gens, on ne peut pas tromper un enfant de Dieu qui se laisse conduire, qui écoute la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est important. C'est une chose de recevoir l'Esprit, mais encore, c'est une chose de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Romains chapitre 8, 14 dit que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants. Donc, ils ne sont pas dans la rébellion. Hein? On peut avoir l'Esprit et être rebelle à Dieu. Ne pas écouter, ne pas aller dans la direction de l'Esprit. Aller dans ce qui nous plaît, ce qui nous arrange, on ne rentrera jamais dans le repos que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, c'est une conduite qui est contraignante, mais il faut l'accepter et c'est ça qui nous permettra de grandir spirituellement. Merci Seigneur. Du Seigneur que nous avons reçu. Donc, selon Tite chapitre 3, verset 5, il est écrit que le bain de la nouvelle naissance a produit en nous cette. Je vais prendre le verset 1. C'est la régénération en fait. Donc, Tite chapitre 3, verset 5. Et je vais prendre justement l'exemple. Le frère, il disait, lorsque nous sommes justement dans ce combat avec le Seigneur, je vais prendre, on va prendre Éphésiens chapitre 6, verset 12, hein, s'il vous plaît. Quelqu'un peut le lire le verset là. Éphésiens chapitre 6, hein, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Si vous y êtes, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde, des ténèbres de ce siècle, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc, par rapport à ça, hein, donc, la Bible nous dit que nous sommes revêtus du Seigneur, gloire à Dieu. Donc, nous n'avons plus à nous inquiéter pour ce qui est des convoitises seulement, par rapport à ce que disait le frère, hein, nous serons toujours soumis à des persécutions, soit du diable, soit des démons, ou soit de notre condition. Mais réjouissons-nous que le Seigneur nous a donné des armes, notamment des actions de grâce, des prières, des supplications, et la communion fraternelle qui est une arme aussi redoutable. Et qui nous permettra de rester vraiment dans la volonté du Seigneur, qu'il soit glorifié. Hein, parce que le Seigneur peut tout faire. Hein. Il est écrit dans Genèse chapitre 9, au verset 14, que rien n'est impossible à Dieu, car Dieu peut tout faire. Là, je prends l'exemple de la femme de Abraham qui doutait de ça, qui doutait de pouvoir faire un enfant à l'âge avancé qu'elle avait. Et entendons parler de sa future conception, de sa future conception. Mais elle a rigolé, se disant en elle-même, « Comment pourrais-je concevoir ?» Et le Seigneur Yahweh, dans sa gloire, il a dit, « Mais pourquoi ta femme rit qu'y a-t-il de compliqué pour Yahweh ?» Car rien n'est compliqué pour le Seigneur, il peut tout faire, hein. Selon Psaume 115, chapitre 3, hein, c'est ça mon frère, hein. Le Seigneur peut tout faire parce qu'il est puissant. Donc, laissons vraiment, je voulais justement apporter pour compléter Jean chapitre 3, verset 5, qui dit que nous sommes nés d'en haut, non, pas seulement d'eau, mais d'esprit. Donc vraiment, le principal, c'est vraiment de se laisser conduire par le Seigneur. Nous devons vraiment mettre toutes les chances, hein, parce qu'on parle plus de chance, on n'est plus dans le monde. Hein. Toute la grâce de notre côté, toute la grâce de Dieu de notre côté, vraiment, pour supporter les afflictions. Le Seigneur a mis dans sa parole toutes les richesses abondantes
Ésaïe 55 nous parle de l'abondance du Seigneur. J'ai reçu dans un songe, par la grâce de Dieu, Ésaïe 55. Vous le lirez quand vous serez, vous aurez le temps. Ésaïe 55 parle du salut et de la grâce de Dieu que nous avons tous reçu. Car la parole nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 4 et 5 que le Seigneur veut tous nous sauver. Donc, amen. Vous glorifiez le Seigneur pour ça, parce que c'est une grâce. Moi, tous les jours de ma vie, je veux me prosterner pour le Seigneur. Je l'aime toute ma force. Je l'aime de plus en plus, que le Seigneur soit béni. Et donc, quand vous lisez la parole, comme le frère et nous s'exhortait à lire la parole de Dieu, pourquoi? Mais parce que nous grandissons dans l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, c'est quoi? Eh bien, on peut contenir dans notre misérable existence l'amour de Christ, mais il va grandir en nous. Et donc, le Seigneur nous a sortis de cette misérable existence, justement, parce que nous sommes nés de nouveau. Donc, gloire à Dieu, je m'arrête là. Bon sang, je lève son nom adorant. Jésus adore, élevant son, je lève son nom adorant. Jésus adore, élevant son, je lève son nom adorant. Jésus adore, élevant son nom. Jésus adore, élevant son, je lève son nom adorant. Jésus adore, élevant son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Adore, adore, adore. Jésus, élevant son, je lève son nom adorant. Jésus, élevant son, je lève son saint nom adorant. Jésus, élevant son nom. Fortifie-nous, Seigneur, que nous soyons la lumière dans ce monde, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, dans notre ville, dans nos quartiers, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci pour ta grâce en Jésus-Christ. Merci pour le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Pour ta gloire, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous fortifier, de nous enseigner. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour ce chapitre qui t'a compté à la croix, Seigneur, pour nous aujourd'hui, Seigneur. Aime-moi encore te dire, Seigneur. Combien, Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, d'être là, Seigneur, mon Dieu, devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as affranchis, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Seigneur, tu nous as enlevé les choses, Seigneur, mon Dieu, pour la lumière. Comment, Seigneur, mon Dieu, ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas te dire, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu viens en nous par ton esprit, Seigneur. Père éternel, nous voulons voir ta gloire, mon Dieu. Seigneur, nous voulons voir ton esprit agir au milieu de nous. Pour cela, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, continue à nous façonner, continue à nous transformer, Seigneur. Continue à nous libérer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu dis que tu as tout accompli à la croix, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, chaque jour, Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est
le t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, j'ai soif de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'honorer. J'ai soif de t'honorer, j'ai soif de t'honorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'honorer, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'obéis, j'ai soif de t'obéis, j'ai soif de t'obéis, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'obéis, le privilège que tu me donnes, c'est de t'obéir, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'obéir, le privilège que tu me donnes, Seigneur, c'est de t'obéir. Prie. Mon Dieu et mon roi, Seigneur, tombe maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus, nous voulons commander, Seigneur Dieu, à ce mal de lâcher prise maintenant dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous prenons autorité, Seigneur, sur la maladie, Seigneur Dieu Père. Seigneur, nous prenons autorité sur l'oppression, Seigneur Dieu. Que ton esprit agisse, Seigneur. Que ton esprit se manifeste, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Que ta gloire, mon Dieu et mon roi, soit puissamment révélée dans sa vie, au nom de Jésus. Mais au Dieu et l'Éternel qui nous guérit de nos maladies. Merci Seigneur Dieu Père d'agir, merci de te manifester, de te glorifier, que ton nom soit loué. Et nous voulons prier pour tous ceux-là qui souffrent, mon Dieu mon Père, qui sont persécutés, Seigneur, mon Dieu mon Père, qui passent des situations difficiles. Merci de les soutenir, de les porter, Seigneur Dieu Père, Seigneur, vraiment de les faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Amen.